أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق وخاتم لما سبق، ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم، على آله حق قدره ومقداره العظيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، سلام على المرسلين، الحمد لله رب العالمين. Alors, on a dit, c'est quoi le plaisir de la colère? Donc, le plaisir de la nourriture, c'est la force de désir, sera apaisée, cette force, hein, on parle de la force, voyez, la source du désir, c'est quoi? Elle sera apaisée lorsque c'est par... Non. Le plaisir, le désir, le désir. Par la nourriture. Par la nourriture. Alors, l'aliment ou bien la nourriture de cette force de la colère, c'est quoi? Elle sera apaisée lorsque je me venge. Donc, la nourriture de lire le désir. Hein. L'aliment qui peut apaiser la colère, c'est la vengeance. Lorsque je me venge, c'est pour ça la personne, moi, quand je m'énerve, je m'explose, après c'est fini. Oui, parce que tu t'es vengé. Est-ce que c'est clair? Tu as écrasé l'autre, tu as détruit l'autre, tu as blessé l'autre. Lorsque je blesse et j'écrase l'autre, d'une manière ou d'une autre, hein, là je suis. Ouf, j'ai gagné, voilà. Je veux gagner à la fin. Et on dit des fois, oui, moi j'ai un cœur Pur, bien, ouais. pur. Moi je me fâche dans le moment, je te dis quoi que ce soit, mais après c'est bon. Après, c'est bon. Bien Après, pur c'est bon, bien parce que sûr, tu parce que tu l'as détruit, l'autre. Lui, l'autre, il n'arrive pas peut-être à parler ou bien à répondre, et il garde cette rancune. Cette tristesse dans le cœur, ou bien cette colère dans le cœur. Donc, tu l'as aidé à subir une crise cardiaque. Hein? ça, les femmes, elles expriment beaucoup plus leur colère, les hommes, ils gardent plus en eux, c'est pour ça qu'ils tombent plus facilement malades. Là, Non, c'est vrai, hein, c'est compliqué. les hommes, Les ils gardent femmes, plus les leur hommes, ça colère, dépend. ils Les disent pas deux. trop, ils s'explosent pas, ça fait des crises cardiaques, c'est vrai. Ça dépend Ils meurent plus jeunes. hein? Par ailleurs, lorsqu'elle s'insurge, cette force s'oriente vers ce qui peut porter préjudice et le repousse. Si elle y parvient, elle s'apaise. Sinon, elle réclame vengeance. Or, la vengeance est l'aliment de cette force. La vengeance, c'est la nourriture de cette force. Alors, qui peut me redéfinir encore une fois la colère? C'est quoi? C'est la puissance de la colère qui réside dans le corps, Qui réclame qui bouillonne dans le corps. vengeance. Donc, imaginez la colère, c'est comme quelqu'un qui a la bouche ouverte, il cherche quoi? Qui bouillonne? Vengeance. Il cherche à vengeance. C'est vengeance. Attaquer et à se nourrir de la vengeance. Est-ce que c'est clair ici? Vous voyez un peu la réalité de la colère? C'est différent, hein? Hein? C'est pour ça qu'il faut lire, je vous dis. Il faut lire, il faut toujours chercher. Il ne faut jamais dire c'est clair. Il ne faut jamais dire c'est évident. Cherchez toujours, surtout la réalité. Est-ce que c'est clair? Est-ce que C'est jamais clair. c'est jamais clair. Mais vous êtes Merci. d'accord? Oui, je Vous êtes d'accord? Hein? Faut jamais donner des jugements. Juger. C'est les faibles d'esprit qui jugent. Gardez ça dans votre esprit. Gardez ça dans votre esprit. Faut toujours dire Allahu a'lam. Parce que même la colère, pour nous, c'est un livre. Vous voyez?
et tu peux lire et relire. Que si tu relis encore une fois ce texte, tu vas découvrir d'autres choses. Croyez-moi, moi j'ai lu ça et j'ai donné ça comme des leçons, ça fait des années. Et maintenant, comme si c'est la première fois. Subhanallah. Or, la vengeance est l'aliment, la nourriture de cette force, son désir et son plaisir. Le plaisir de la colère, c'est quoi? La pâte. Hein, les pâtes. Le tagine. Hein, le keftej et le couscous de la colère, c'est quoi? C'est la vengeance. Lorsque j'arrive à écraser l'autre, là je suis calme. Hein. Je peux tout détruire des fois pour étancher ma colère, pour calmer ma colère. Je peux détruire le monde. Hein. Le monde, je suis prêt à détruire le monde. Hein. Ce qui s'est passé dans l'ambassade, c'est quoi? On a écrasé ça pour calmer la vengeance. Hein. Vous voyez, c'est ça, hein? Il y a quelqu'un qui a dit arrêtez d'avoir raison. Souvent, il dit arrêtez d'avoir raison. C'est pour ça que, d'ailleurs, qu'on a, c'est oui. Moi qui ai raison. Tu acceptes ma vérité. Oui. Donc, il faut garder toujours cette ouverture d'esprit. Allahu A'lam. C'est pour ça que le Rasoul sallallahu alayhi wa sallam a dit. Lorsque le problème des. Bon, pas le problème, l'accusation à Aïcha radiallahu anha, quand les Sahaba, chacun il disait un truc différent devant le prophète, et le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit vous allez être. Atrajou al-Jahiliya Amami, et eux ils ne savaient pas pourquoi ils ont dit ne discutez pas devant moi de cette façon, et je garantis un palais au paradis à la personne que même s'il a raison, elle se tait. Or, la vengeance est l'aliment de cette force, son désir et son plaisir, et il ne s'apaise qu'après avoir été assouvi. Lorsque cette force ne sera assouvie que lorsque voilà, je me venge ou je détruis, je casse, je écrase, je rabaisse l'autre. En outre, les individus se répartissent en trois catégories selon leur nature, qui va de la négligence à l'excès en passant par la modération. ثم إن الناس في هذه القوة على درجات ثلاث في أول الفطرة من التفريط والإفراط والاعتدال. Donc cette force, comme la nourriture. Il y a des gens qui aiment beaucoup la nourriture. Il y a des gens qui n'aiment pas la nourriture. Il y a des gens qui sont dans le juste milieu. La même chose. Il y a des gens qui sont très colériques. Il y a des gens qui n'ont pas la colère. Ils sont vraiment froids. Trop froids. Dans l'autre externe. Il y a des gens qui sont dans le juste milieu. C'est vrai ou pas? La meilleure position. Hein? Trop rarement les personnes qui sont trop froides, mais oui, ça existe. Il y a des gens qui ne bougent pas, trop froids. Il y a des gens qui sont très colériques. Ils s'explosent pour n'importe quelle chose. Et il y a des gens qui sont dans le juste milieu, mais ça, c'est la meilleure position. C'est la modération. Il faut travailler. أما التفريط فبفقد هذه القوة أو ضعفها. Donc, on va prendre tout d'abord la négligence. Elle survient lors de la perte ou de la faiblesse de cette force de la colère, et cela est blâmable, bien sûr. Tuer totalement cette force ou ne pas l'avoir, c'est pas bien. وذلك ما c'est blâmable. وذلك مذموم وهو الذي يقال فيه إنه لا حمية له ولذلك قال الشافعي رحمه الله من استغضب فلم يغضب فهو حمار فمن فقد قوة الحمية أصلا فهو ناقص جدا. Ne pas avoir ce minimum d'agression, je peux dire, pas l'agression, c'est blâmable, hein?
Hein, c'est de la lâcheté. C'est quand il n'a pas d'ego. Ego, c'est aussi important pour vivre vraiment. Et pour survivre, oui. Et du coup, il doit avoir ça. Voilà. Minimum, oui. Elle survient lors de la perte ou de la faiblesse de cette force de la colère et cela est blâmable. On dit de l'homme qui a perdu cette qualité qu'il est sans fureur. Il n'a pas cette chaleur. Il est mort. Hein? C'est pourquoi l'imam Shafi'i, que Dieu lui fasse miséricorde, a dit, celui qu'on irrite, donc dans la vérité, hein, il y a des gens qui ne bougent pas. Face à une injustice, tout c'est rien. Ils sont indifférents, froids, tièdes. Ils s'en fichent. Hein? Donc ça, c'est blâmable. Celui qu'on irrite et ne se met pas en colère est un âne. Donc dans le sens, ouais, quand même, tu bouges un peu. Hein? En effet, celui qui a perdu cet aspect de la colère et de la fureur est lourdement amoindri. وقد وصف الله أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بالشدة والحمية فقال أشداء على الكفار رحماء بينهم وقال للنبي صلى الله عليه وسلم جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم وإنما الغلظة والشدة من آثار قوة الحمية وهو الغضب. Alors là, on peut comprendre, Dieu a décrit les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam en leur attribuant la dureté et la fureur dans sa parole. Ces compagnons sont durs envers les incroyants, mais dans le juste, il faut bien comprendre ici les agresseurs. Pas les incroyants, tous les incroyants, on doit déclarer la guerre contre les incroyants. On peut se marier avec les chrétiens, on peut se marier avec les juifs, mais contre les agresseurs. Hein? Qui torturerait Bilal, qui torturerait... Voilà. C'est après ça. Après ça, c'est dans le sens les injustes. Hein? Donc il faut avoir quand même cette sensibilité dans le cœur contre les formes d'injustice. Et il a dit à son prophète, sallallahu alayhi wa sallam, combat les incroyants et les hypocrites. C'est des musulmans ici. Les hypocrites, c'est des musulmans qui disent... mais qui sont dans cette agression, qui sont dans qui sont dans la traîtrise, voilà, et traite-les avec rigueur. La rigueur est la dureté procédant de la fureur, qui elle-même émane de la colère dans ce qu'elle a de qualitatif. Maintenant, ça c'est lorsque la personne est dans la négligence. On va voir l'autre extrême, c'est l'excès. Et souvent, voilà. On va laisser ça, Inch'Allah, la prochaine fois, Inch'Allah. Parce que c'est un sujet. On ne peut pas le commencer à s'arrêter, Inch'Allah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان في خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت استغفرك ونتوب إليك سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين أشهد الله